Marche là demain, là, les prochains jours. On a un défi jamais relevé dans l'histoire d'Amiens. Donc on est prêt à le faire avec un petit peu d'eau. On va là, c'est. Voilà. Free Palestine. الله يحفظك الله يسلمك هاتي لي الحفاظه شكرا 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 jour en captivité, il reste plus grand chose à manger, donc on va essayer de partager, mais ça va être compliqué parce qu'ils sont pas prêts à ça. C'est un groupe chacun pour soi. J'ai connu le Maroc avec le Toubkal en novembre 2021. Ça a été une aventure humaine et sportive incroyable, j'en garde un souvenir mémorable. Et quand Chérif nous a recontacté, enfin, a donné l'annonce du voyage dans le désert, on a dit qu'on y allait de suite. Et vraiment, ça reste une aventure incroyable, le désert est magnifique. Il faut toujours faire confiance à Chérif, il sait très bien ce qu'il fait et il arrive à fédérer. Enfin, je trouve que c'est un voyage incroyable. Prends le téléphone. Attends, je vais plus haut. Ah mais attendez, faut que je me recule. Vas-y, non mais je te tiens, Joséphine, t'inquiète. Recoule, recoule. Sors l'appareil high-tech. Attends, je mets en normal. Qu'est-ce que t'en portrais ? Super dur. Ah, j'ai envie de faire une dédicace directement à Mara parce que non, c'est chouette, il y a une bonne cohésion. On a commencé tranquille avec des petites marches et puis là c'est vraiment cool parce qu'on est arrivé dans les dunes, c'est vraiment magnifique. Et on a un groupe assez diversifié, mais tout le monde se parle, donc c'est juste incroyable. Well, I came on holiday and
it was a last minute booking on this trip, and Jamal told me that there was going to be 27 people, but he didn't tell me they were all going to be French. That was quite a surprise. So I could not speak to many people, not many people speak English. So at first I thought, oh, maybe everyone will be quite quiet and in their own groups. But then quite quickly, it was clear that the French people are very friendly, very outgoing, good fun, quite similar to the English actually.